Bertrand, bonjour. Bonjour. C'est important de conférence de presse en emploi ce matin ici à Drummondville. Oui, c'est notre annonce du défi emploi Drummond. Ça sera la 13e édition que la SDD va organiser avec ses partenaires Service Québec et Cascade cette année. C'est un outil de développement économique qu'on a mis de l'avant en 1998. Et au fil des années, au fil des décennies, bien, on a toujours utilisé cet outil-là pour soit combler des besoins de main-d'œuvre ou soit d'aider des chômeurs à trouver un travail. Et l'an passé, on l'a fait, mais compte tenu de la rareté de main-d'œuvre qu'on vit actuellement au Québec, on a décidé de le ramener une année, parce qu'habituellement, on faisait aux deux ans. Mm-hmm. Maintenant, on le fait à chaque année. Et il y aura plus de 80 employeurs sur place le 1er et 2 novembre au Centre Expo Cogeco et plus de 2000 emplois de disponibles. Donc, on a très hâte à l'événement et présentement, ça répond très bien en termes d'achalandage. La Société de développement économique met les efforts et l'épaule à la roue, comme on dit, pour répondre justement aux besoins. Oui, il faut absolument, nous, quand on rencontre des entreprises, qui soient déjà établis à Drummondville ou d'autres qui veulent s'établir, c'est sûr que le dossier de la main-d'œuvre, le sujet de la main-d'œuvre, c'est un des premiers sujets qui vient sur la table. Alors, c'est important pour nous de démontrer que nous avons des outils efficaces pour faire face à la situation. Il y a plusieurs outils qu'on a présentement dans notre coffre à outils. Défi emploi Drummond en est un, mais il y en a d'autres aussi. Et c'est justement pour ça qu'on fait cette édition-là, cette 13e édition, un budget de plus de 120 000 $ qui sera consacré en termes de publicité, mais aussi en termes d'organisation pour accueillir plus de 2 000 travailleurs, 2 000 chercheurs d'emploi ou de gens qui vont aussi venir de l'extérieur de Drummondville. On va mettre un effort particulier sur la région de Montréal pour amener des Montréalais, chercheurs d'emploi, à venir rencontrer nos entreprises à Drummondville et pourquoi pas les installer chez nous dans notre ville. Une recette gagnante déjà, en fait, on attend déjà. Rappelez-nous les dates. C'est le 1er et 2 novembre prochain au Centre Expo Cogeco. On sera présent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous d'être là.